Aujourd'hui les mecs, je vais troller Shawen en rendant Minecraft illogique et chelou. On va devoir tous les deux créer un parcours, sauf que moi je vais utiliser des techniques interdites. Donc si tu vas apparaître sur l'écran, oublie pas de t'abonner, tu likes et c'est y part. Ok les mecs, aujourd'hui on va encore une nouvelle fois tricher. Mon objectif, faire un parcours et le rendre vraiment extrêmement bizarre. Donc voici le pourquoi du comment j'ai fait, on va dire, un grand truc comme celui-ci. On va évidemment déjà lui mettre une petite fin. Donc déjà vous savez quoi, je vais y créer déjà une première salle exactement à cet endroit ici. Voilà, quand on sera exactement dans cette salle là, comme vous pouvez le voir, on va pouvoir passer en hauteur. Sauf que vous n'êtes pas bête, actuellement passer en hauteur ce n'est pas faisable. Et pour remédier à cela, vous allez voir qu'on va faire quelque chose de quand même sacrément unique. Bon là les mecs, je pense que personne ne comprend ce que je suis en train d'essayer de faire là. Donc moi ce que je vais faire ici, c'est que je vais simplement remplacer les milieux par des petits blocs de lave. Voilà, comme ceci. Et là comme vous pouvez le voir, ça va simplement tomber dans les petits trous en bas et ça va faire, on va dire, des genres d'ascenseurs. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est simplement enlever les blocs de... Ah ben oui, bon c'est peut-être pas très intelligent ça du coup. Ah, c'est vrai que c'est peut-être pas très smart hein. Bon du coup ce qu'on va plutôt faire, c'est simplement ça, en y mettant des structures void. Comme ça, bon, on dirait simplement qu'il y a aucun bloc et on dirait que la lave elle est vide et ça c'est cool. Voilà, c'est terminado. Bon là du coup vous allez me dire, mais Lanette, comment on va à hauteur? Et bah vous savez quoi, ça va vous d'y répondre. Vous avez exactement 4 secondes pour me dire la bonne réponse. Bon, aujourd'hui les mecs, on est parti pour faire l'épreuve de la mort qui tue. Aujourd'hui je vais troller Lanette et les mecs, j'ai prévu des trucs de fou. Bon par contre on va commencer mollo mollo. C'est la première épreuve et du coup aujourd'hui l'objectif de Lanette pour cette épreuve, bah ça va tout simplement être de trouver la sortie. Sauf que là il va se dire quoi? Vu que c'est un golemon, il va courir comme un golemon, il va sauter, etc. Mais une fois qu'il va devoir sauter ici là, et bah c'est un faux bloc, voilà. Du coup bah la sortie bah elle est littéralement impossible et ce coffre bah y'a rien du tout. En fait la réponse elle est très très simple, Lynette il a juste à passer par ces blocs invisibles. Ce qui fait que bah du coup Lynette va pouvoir s'en rendre compte qu'à partir du moment là où il aura sauté ici. Ce qui va nous donner tout simplement la deuxième épreuve, qui cette fois les mecs va être incroyable, elle va être explosive. Bon désolé les mecs, je vous ai fait un petit peu attendre, en tout cas on va se mettre en survival. Et comme vous pouvez le voir, quand on va dans, bah, dans la lave, bah ça fait extrêmement... Oula 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 oula. On va faire gaffe de pas rire mou. La lave fait extrêmement mal, sauf si vous allez dans la bonne lave et hop là, magnifique. Vous avez des effets de régénération et tout ça. Donc là, l'objectif de Shawen sera de monter tout en haut. Parce que oui, les mecs, la texture de la lave a été remplacée. Elle est complètement différente et genouneille. Et là, vous allez voir que quand il va arriver en hauteur, ça va être un petit peu spécial. Il peut ne pas réussir. Parce que quand il sera en hauteur, regardez-moi ça, il y aura un genre de petit bloc ici, là. Évidemment, Shawen sera en aventure, donc il le verra pas. Parce que quand vous êtes en aventure, regardez-moi ça, vous ne voyez absolument rien. Et Shawen devra sauter parfaitement pour réussir à y passer. Et regardez-moi ça, je n'ai même pas réussi. Donc il va devoir aller au bon moment et voilà c'est bon. Et là il passera à la deuxième épreuve qu'on va faire maintenant. Ce qu'on va faire pour la deuxième, ça va être simple. Je vais simplement mettre ce bloc là un petit peu partout. Donc on va le mettre exactement ici je pense. Donc bao, voilà, comme ceci. Je vais évidemment remplacer les murs par exactement le même bloc. Voilà, et ici évidemment cela sera pareil. Donc là vous inquiétez pas, l'épreuve va bien évidemment se dérouler ici. Alors dans cette épreuve les mecs, l'objectif de Lynette bah ça va tout simplement être de trouver encore la sortie. Oui parce que là il y a beaucoup de sorties là, on n'est pas sur une originalité tip top. Comme vous le voyez les mecs, ici il y a plein de tableaux, il y a des mines explosives bah partout par terre en fait, donc littéralement s'il marche ici il va se faire goumer. Son objectif les mecs, ça va être d'activer tout simplement le levier ici et de s'introduire ici dans le truc de Wither comme vous pouvez le voir juste ici, parce que là justement bah bon là les portes sont fermées quoi. Et du coup ça tout simplement les mecs, ça va donner lieu. Ok, alors du coup là maintenant les mecs, une fois qu'il se sera introduit ici, son objectif ça va être simplement de trouver la sortie. Bon là je vous l'accorde, la sortie elle est compliquée à trouver en fait, pas tant que ça, parce que comme vous le voyez les mecs, il y a des espèces de passages de redstone, enfin des espèces de passage de redstone que j'ai mis juste ici. Et du coup en fait il aura juste à passer ici, voilà. Et donc du coup ici il aura tout simplement la prochaine épreuve dans laquelle bah, il va devoir tout simplement bah, s'en sortir. Et cette fois les mecs, c'est vraiment la plus trollesque de toutes les épreuves. Et voilà les mecs, j'ai réussi à terminer l'épreuve et je vais bien évidemment vous l'expliquer. Ça va être simple, quand il va aller ici évidemment, dès lors qu'il aura franchi ce pas là, il ne pourra en aucun cas revenir. Donc là il pourrait essayer de tout faire, il ne pourra pas revenir. Donc ça veut dire que toute l'épreuve se dirige ici. Donc là je pense qu'il va aller ici, il va voir, quand il va arriver ici il va voir un panneau où il y aura marqué trouve le bouton à mettre ici. Son objectif va être clair et net et précis, simplement trouver un bouton, de le poser et tchunga, ça ouvre la porte. Sauf que malheureusement il n'aura pas le bouton, donc il va devoir trouver un bouton dans toutes ces genres de choses. Donc là vous vous doutez bien que ça va être compliqué. Sauf que évidemment s'il se rend ici, il va quand même voir que c'est bizarre. Il va peut-être essayer de sauter, je sais pas quoi. Et comme vous l'avez vu, c'est des blocs invisibles. Bon déjà là il va voir des choses plutôt space, bon ça n'a rien à voir. Mais quand il va descendre en bas, boum, il y aura marqué au sol se cache un bloc chelou. Donc là soit il va regarder au sol et il ne verra rien, soit il va décider de repartir et il ne verra toujours rien. Mais évidemment les mecs, l'objectif c'est d'être très attentif. Parce que si vraiment il observe avec une loupe, une vraie loupe, il va voir que regardez-moi ça, ce bloc là, est-ce que ce bloc... Bon je pense que vous le voyez le bloc, il est bizarre. Il y a 1, 2, 3 et 4 points. Bon j'ai un peu peur que ça se voit pas de fou. C'est pour ça qu'attendez les mecs, logiquement je l'ai modifié. Voilà, non mais là il se voit là en vrai de vrai. Et bref ça va être simple, il va devoir aller ici. Et là il aura simplement à twerker, 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 twerker. Et boum, et il aura évidemment dans ce petit coffre là un petit bouton en pierre. Vous savez quoi, je vais quand même l'aider
je vais mettre un panneau ici. Twerker, c'est la vie. Voilà, comme ça, il saura qu'il va falloir qu'il fasse son petit booty shake. Et donc là, ça va être simple. Bah, quand il posera le petit bouton ici, bah, il pourra passer à la troisième épreuve. Bon, là, j'espère que Shaolin me fait aussi des choses de goat. Hein. Alors là, les mecs, comme vous le voyez, il y a des espèces de trous de lave un petit peu partout. Donc là, une fois que t'es ici, bon, t'es un peu dans la compréhension. Tu te dis que tu vas devoir. Tu sais très bien que tu vas te bouffer des sauts de lave un peu partout. Du coup, les mecs, c'est très simple. On va se mettre en spectateur. Et comme vous l'observez, bon, je sais pas exactement où. Ah, voilà, juste ici. Il y a tout simplement une fake lave juste là. Ce qui va donner lieu tout simplement à une épreuve incroyable. Vraiment. Cette fois, les mecs, j'ai mis tout le budget que j'avais là. J'ai payé les restos du cœur. J'ai tout fait. Vous m'en donnerez des nouvelles. Parce que là, vraiment, c'est plus qu'historique. Je pense que je dirais même que c'est la meilleure épreuve du siècle. Voilà. Je pense que tous les youtubeurs. Évidemment, c'est faux, les mecs. C'est faux. C'est faux. En gros, les mecs, l'épreuve est hyper simple. On va faire des questions ensemble et on va les poser à la net tout simplement. Et en fait, tout simplement, la bonne réponse, bah, lui donnera tout simplement accès à la prochaine question. Ah oui, et les mecs, c'est de la fake lave, hein, tout simplement. Voilà, donc là, il y aura de la vraie lave, il y aura de la vraie lave ici, et ici, ce sera du faux. Donc là, les mecs, j'ai ma petite idée pour la première question. Contre qui la France fait les Worlds du rugby? Parce que oui, les mecs, comme vous le savez, c'est actuellement la Coupe du Monde de rugby. Et ils ont affronté tout simplement les All-Stars, donc c'est très très simple. Ici, la bonne réponse, on va mettre All-Stars. On va mettre USA. Bah, c'est tout, juste USA, hein, voilà, on s'en fout. Et ici, on va mettre l'Italie. Voilà, l'Italie, parce que les Italiens, ils mangent de la pizza et qu'on est des gros racistes, voilà, tout simplement. Évidemment, c'est faux, je rigole, je ne suis pas raciste. J'adore manger des pâtes. Donc voilà. Deuxième question, les mecs. Qui travaille le plus ces vidéos? Oui, parce que là, les mecs, on va faire un petit débat. Comme vous le savez, il y a plein de youtubeurs Minecraft et certains travaillent plus ou moins leurs vidéos, etc. Au niveau du montage, au niveau du concept et surtout aussi au niveau du temps qu'ils mettent tout simplement à faire les vidéos. Alors ici, les mecs, c'est simple, on va mettre Ninjax. Ici, on va mettre Lined. Et ici, les mecs, on va mettre Fuse. Voilà. Non, vous savez quoi? On va pas mouiller Lined. Parce que bon, Lined, il travaille pas trop ses vidéos, quoi. Pokédraco. Et là, cette fois, il y aura du débat. Bon, il y aura pas de débat pour Ninjax, mais au moins, il y aura un débat entre Pokédraco et Fuse. Et évidemment, les mecs, c'est clairement Fuse qui travaille le plus ses vidéos, on va pas se mentir. Combien de vues a fait Minecraft by Night? Et oui, pour ceux qui savent pas, il y a un an, on a sorti une musique avec toute la commu, etc. qui a plutôt bien marché. Et du coup, on va se demander si Lined connaît le nombre de vues de ses vidéos, tout simplement. Donc, on va mettre 1,3 million. Ici, on va mettre 1,9 million. Et ici, les mecs, on va mettre 1,4 million. Parce que là, on va être un petit peu fourbe. Je pense que Lined se doute que la vidéo n'a pas fait 2 millions de vues. Par contre, les mecs, il n'y a pas une énorme différence entre 1,4 et 1,3. Évidemment, la bonne réponse, les mecs, c'est 1,3. Voilà. Du coup, les amis, pour la troisième épreuve, si vous avez un trou de mémoire, il fallait mettre le bouton. Et voilà, vous pouvez vous. Oula. Bon, moi, comme d'habitude, je casse tout. Bref, vous allez pouvoir vous barrer. Quand vous allez être ici, regardez-moi ça, les Joe. C'est magnifique. Bon, évidemment, je vais encore le modifier. Vous inquiétez pas. Là, je vais vous présenter, entre guillemets, comment il aurait dû être dans le Minecraft de base. Donc là, Shaolin va devoir se rendre là. Devra aller sur un petit slime, rebondir. Et voilà. Donc là, il sera à la deuxième étape de l'épreuve numéro 3. Donc là, il devra faire des petits sauts. Voilà. C'est facile. Il n'y a rien de compliqué. C'est nickel. Là, comme vous pouvez le voir, il aura aucun moyen de partir. Donc là, il pourra pas essayer de partir sur le côté. Il pourra pas. Il pourra rien faire. Donc là, pour le moment, il a simplement deux solutions. Bah, simplement de se barrer à gauche ou à droite. Donc là, s'il fait ça, eh ben, il va survivre. Ça va être nickel pour lui. Il va y aller. Ça va être cool. Quand il sera en hauteur, boum. Il va découvrir une magnifique échelle. Il va aller sur l'échelle et là, boum. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a un petit coffre. Si l'Optifine, il pourra voir, bravo, tu as gagné ça. Donc là, Shaolin sera heureux, content. Donc là, il va dire, let's go. Je vais y aller, je vais sauter. Et là, boum. Il va voir des slimes. Donc là, évidemment, il va faire ça. Ça va rebondir. Et il va être actuellement sur le petit chapiteau, là, sur le petit bail. Bon, malheureusement, ce qu'il verra dans le coffre, c'est simplement de la bouse. Parce que derrière, il y a marqué, donc rien MDR. Oui, c'est pas drôle, mais il aura rien gagné. Donc ça c'est drôle. Donc là, bah, son but va être simplement de cliquer sur un petit bouton que je vais mettre, je sais pas où, peut-être là-bas, à un autre moment, pour qu'il retourne encore au tout début. Mais vous inquiétez pas, les mecs, ce n'est pas terminé. Parce que déjà, l'eau de droite, c'est simplement une eau, voilà. Une eau, t'as pas spécialement envie d'y aller, elle ne te sert à rien du tout, à part te tuer. Bon, là, vous allez me dire, mais Lined, est-ce que tu te foutrais pas de nous, là? Sauf que non, les mecs, regardez-moi ça, s'il fait clic droit ici, ça ne marchera pas. Sauf que s'il fait clic droit ici, bao, il ouvrira une porte, et voilà, et là, il pourra se barrer. Là, il a simplement à suivre. Il va suivre, il peut même cavale, parce que là, ça va être tout droit, et là, il va, boum, il va sortir. Bon, évidemment, ici, on va encore faire une petite épreuve. Mais les mecs, ce n'est pas tout. Parce que les mecs, regardez-moi, ça va être simple. Bon, là, je pense que vous le voyez. Hein. Il y a un bloc quand même qui est plutôt space. Donc là, s'il saute là, il va mourir. S'il saute là, il va réussir. Donc là, s'il saute ici comme ça, hop là, il peut rebondir et voilà. Bon, je vais mettre en gratis parce que moi, je vais mourir. Mais logiquement, s'il saute ici, ça fait boum, il prend des dégâts. Mais les mecs, ce n'est pas tout. Parce que regardez-moi ça, boum. Il y a qu'un seul bon bloc de slime. Donc c'est que celui-ci le bon bloc. Les blocs d'à côté, malheureusement, bah, c'est simplement des blocs de bedrock modifiés. Et je pense pas que dans les commentaires, vous avez envie de faire une chute de 300 blocs sur de la bedrock. Le slime, why not, mais la bedrock, c'est non. Donc voilà, maintenant, on va passer à la dernière des étapes qui va se trouver ici. Maintenant, les mecs, on fait place tout simplement à la dernière épreuve. Et parmi les mecs, tous ces coffres, Lined va devoir trouver un code. Alors là, mec, je vous dis la vérité, je sais même pas où est-ce que j'ai foutu le code. Je me rappelle même plus d'où est le coffre. Je sais qu'il est un peu. Bon, je sais même plus où est-ce qu'il est vraiment. Donc là, les mecs, ça va vraiment être une épreuve, je pense, ça va être l'épreuve la plus chiante pour Lined. Parce qu'en soi, c'est un peu la moins compliquée. Parce qu'en soi, les mecs, c'est pas la plus compliquée, mais celle qui va lui prendre plus de
de temps. Ah bah tiens les mecs, j'ai trouvé le code. 1, 2, 3, 5. Donc là, Lined, il ouvre ça et il a le totem et il a gagné. Donc voilà les mecs, dites-moi ce que vous pensez de mon parcours. Cette fois, j'ai un peu plus travaillé que d'habitude. Voilà, j'ai été augmenté. Maintenant, je suis plus au SMIC les mecs. Maintenant, j'ai 10% en plus. Donc n'hésitez pas à liker si vous voulez que j'ai 20% en plus et demandez à Lined qui me paye un peu plus s'il vous plaît. Par pitié, s'il vous plaît, j'en ai marre. Bon, du coup les mecs, pour la dernière épreuve, ça va être simple. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, je vais simplement devoir passer ici et boum. Donc là, vous allez être ici, petit panneau avec marqué inutile. Il y aura un petit coffre avec absolument rien du tout. Un second coffre avec absolument rien du tout. Et là, vous allez me dire, mais Lined, tu nous fais chier là. Eh bah non, vous inquiétez pas, parce que écoutez-moi ça. Quand j'ouvre le coffre, il y a un piston derrière. Parce que oui, le piston a une texture, ta peur, elle est effrayante. Elle est exactement pareille que l'andésite poly. Donc il aura simplement à ouvrir le coffre et à sauter. C'est facile. Je peux y arriver H24. Voilà, moi je suis le GOAT. Vous allez voir que Shawen ne va pas réussir. On fait un truc. Si Shawen n'y arrive pas du premier coup, vous vous abonnez à cette chaîne, bordel. Et vous likez, hein. Bon, vous allez voir qu'il va. Sans faire exprès, il va faire ça, il va réussir, mais bon. En tout cas, quand il sera arrivé en hauteur, boum, il pourra traverser et là, boum, allume le portail. Et là, vous allez me dire, Lined, mais comment il peut allumer le portail? Et bah, regardez-moi ça, c'est magnifique. Sauf que regardez-moi ça, les mecs. Si je me retourne, boum. Ouais, c'est pas du tout pareil, hein. Pas du tout même. Donc voilà, donc s'il allume le portail, malheureusement, il va mourir. Donc son objectif n'est absolument pas de rester ici. Son objectif est simplement d'aller ici, hop là, sauter, tac, 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 de se mettre en double F5. Et là, vous êtes prêts, les mecs. 3, 2, 1, regardez-moi ça, des petites coordonnées. Donc les coordonnées sont moins 984, 60, moins 378. Donc là, il va faire F3, il va se dire, oula, c'est pas ici. Donc là, il va devoir se rendre ici, il va devoir repartir. Il va devoir refaire ça, et il va aller ici, et boum. Là, il va voir qu'il y avait quelque chose de spécial. Et en faisant clic droit, boum. Il va voir avec ce totem. Pour les mecs, on va faire un petit jeu. Celui qui arrive à me trouver le score exact de Shawen, en gros, le temps qu'il va faire à cette épreuve-là, donc les 3-4 épreuves que j'ai créées, je lui offre. Vous savez quoi, je vais vous le dire à la fin. Comme ça, il y aura un petit peu de suspense. Mais n'hésitez pas à jouer, hein, c'est très important. C'est comme les roulettes russes ici. Hein. Bon allez, j'espère que t'es prêt. Hein. Du coup, si j'ai bien cranté tous les bails, je dois trouver le totem, c'est ça? Ouais, c'est ça, globalement. Donc là, franchement, comme d'habitude, je me suis pas foulé la cheville, c'est pas très compliqué. Donc voilà, tu fais comme tu peux. Bon, tu m'énerves. C'est type. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Allez, tu m'expliques, s'il te plaît, parce que là, ça va pas le faire. Bah, en fait. C'est écrit sur le panneau. Si tu m'aides pas, tu m'aides pas. Hein. Oui, bah le panneau, j'étais pas censé trouve la sortie. Hihi, fous de ma gueule. Donc là, je dois faire le jump. La sortie. Bah oui, bah, donc, normal. Là, je dois m'embêter à faire un jump que je vais pas réussir parce que. Oh non, ah, il est trop nul. Arrête, j'ai pas l'auto jump. Ah mais j'aimerais bien t'y voir, toi avec ton gros corps, avec tes bourrelets là. Oui, bah moi, écoute, je fais les épreuves les plus faciles. Franchement, les épreuves les plus simples. Y a rien. Mais la vidéo qui a rien. J'ai rien mis dans le coffre. Avec ta chaussure en dessous là, non, bah, y a rien. Oh non, dans le mais oh, j'ai rien mis. Eh bah c'était fait exprès. Wouhou. Tu crois vraiment avec une seule épreuve? Allez, barre-toi d'ici, espèce de d'idiot de débile. Je dois me barrer où? Non mais là, c'est de l'escroquerie là, pur et dur. Bah tu doutes bien que je me suis pas cassé la tête, hein. Oui, bah on va essayer de longer les murs, hein. Y a peut-être bah, des blocs invisibles. Ça sert à rien de faire le clébard, hein. Bah pourquoi? J'ai l'impression que là déjà, pour un petit peu de feur, déjà là on n'est pas chez multicorde, donc tu vas arrêter de me saouler. J'ai l'impression que là j'ai peut-être touché une corde sans. Voilà. Bah oui, bah voilà, ça déblaye. Bah ouais, bah maintenant explose. Explose. Macro explosion, voilà. Arrête. C'est pas drôle. Non mais je rigole vraiment pas avec toi là. Aujourd'hui c'est pas drôle. Vraiment, ça me rappelle la guerre du Vietnam. Bon allez. Je m'en fous. Arrête. Mais tu meurs pas là. Arrête. T'es un idiot. Arrête. J'avais vu un mec aussi idiot que toi, vraiment. Mais pourquoi? Il fait quoi moi? Mais il vit même. Ah mais c'est bon, pas allez, drôle. Bon allez, trouve la sortie. Bah voilà, j'ai trouvé la sortie. Non mais c'est pas possible. T'es pas là? Attends. Eh mais... hey, tu t'es fait berner là depuis le début. C'est Corneille et Berné. Bon Lined, attends, mais bon. Bah, ça part sur le côté. Bah je suis trop doué parce que regarde, j'ai vu que ça partait sur le côté. Oh le mec, comment il est smart. Franchement la vérité, moi je peux que te dire chapeau. Un bah, gros chapeau au début. Est-ce qu'il y a un rapport avec le chapeau? Bref, saute dans le bon trou de lave. Alors là, bah c'est pas drôle, tu vois, tout de même, hein. Bah c'est pas très drôle, c'est vrai, je te l'accorde. Après, mais c'est pas mon problème. J'ai l'air de régène, donc ça veut dire que là je patiente. Après attends, je peux faire des techniques plutôt techniques. Ah mais on va mettre la difficulté énorme. Ah bah, non, je vais... Il y a même pas de lit, Pense au respawn, hein. Si je respawn à Bebelwed, je me retire 3 minutes de mon temps. Hein. Oh là, je te tépérerai à moi tout simplement. Non, tu mets un lit, sinon je... Dépêche-toi de me mettre un lit, sinon je me retire 2 minutes maintenant et il me restera que quelques secondes sur le chrono. C'est bon. Voilà, allez, on peut y aller. Arrête de voilà. Me saouler là. C'est pas drôle. En fait, t'es juste un golemon. Quoi? Oh non, il y avait un bug. Non, mais t'es juste un golemon, y a pas autre chose. Pourquoi? Tu fais des bruits de golemon, tu... Hein? T'as une tête de golemon. Et je respecte tous les mongols, hein. Là, on parle de Lined, hein. Ah, et surtout ceux qui viennent de Mongolie,
Mongolie, hein. La Mongolie, c'est très très beau, il y a des très beaux paysages. Mais en tout cas, t'es nul. Non, mais t'es mauvais. Tu sais que tu perds un temps, mais monstrueux. Mais c'est pas ici. Tu sais quoi, je te donne un indice. Oui. C'est dans cette zone là. Hein? Ah, c'est dans la zone de droite. Mais à droite, pourquoi pas à la gauche? Bah, parce que ici, on est d'extrême droite. Et non, je rigole, c'est une blague, les mecs, on est socialistes. On veut tout simplement que les riches payent beaucoup d'impôts. Donc voilà. Sauf nous, si on pouvait être exonérés. Très bien. Bon, Lined. Non, mais non. Bah, arrête, non, mais pourquoi non? Ah, mais c'est bon, là, j'allais te tuer plus vite, là, c'est bon. Bah, je vais faire quoi? Tu veux expliquer? Bah quoi? Oh, la vie de ma mère, j'avais essayé. Ah non, mais t'es un... Non, mais t'es un golemon. Non, mais t'es un golemon. Parlons des mongols, toi. Non, mais là, c'est vraiment... Ok, contre qui la France a fait les wars? Non, c'est quoi ces questions, Jackie, là? Bah non, mais la NED, c'est quand même d'actualité. Je pense que tous les abonnés le savent. Oh, les questions de Jackie, vraiment. C'est les All Blacks, c'est les AK. Ah, j'ai mis All Stars, bon, je connais pas, mais c'est pas grave. Attends, je crois que c'est l'équipe FIFA 40 étoiles, là. Avec Zizou. All Stars, New Zealand. C'est vraiment ridicule, hein. On va voir la prochaine question. Si je suis pas ridicule, je vais te foutre dans la sauce, allez hop. Qui travaille le plus ces vidéos? Poké Draco, Djax, ça va, c'est sûr que c'est pas lui. Excuse. Bah, honnêtement, c'est Poké Draco. Oh, Ninja! Let's go! Non. Je suis dit non. Ah, c'est pas Ninjax, bon. La blague pouvait pas durer. La blague pouvait pas être aussi longue. Ok, ça bah va. Non, pourquoi non. Pas Multicore, pas. Il travaille mieux ses vidéos. Bon, allez, ah, hop. C'est Multicore, c'était pas Fuse. Non, mais bref. Voilà. Combien de vues a fait Minecraft by Night? Un M4, un M3 et un M9. C'est pas drôle. Tu connais pas les vues de tes vidéos, t'es vraiment un golemon. Tu vois, je suis Multicore, elle est portée sur Twitter, mes vues. Moi, je les connais pas, mes vues. Bah, tu allez. Connais pas tes vues, pourtant, tu connais ton salaire. Allez, trouve le code. Trouve le code, allez. Bah, voilà. On va te faire. Non, il a triché. Il a triché. Non, refais. J'en ai rien à foutre. Ok, on refait. Du coup, j'ai trouvé un code, c'est ça. Ah là là, ah bah tiens. 1, 2, 3, 5. Non, mais. C'est quoi, slash kill line? 3, allez hop. Let's go. Et maintenant, changer le code. Changer le code. Bah, tu vas changer le code de ton grand-père, oui. T'es vraiment un chien. T'es vraiment un chien. C'est quoi? Voilà. Bah non, j'arrête le T'auras pas de totem. Bon, les mecs, j'ai fait actuellement 5 minutes 49. Et bah, je suis mort aussi. Bon, maintenant, on va voir si Shawen sera l'élu du parcours. C'est parti. Bon, Shawen, ça va être simple. Actuellement, t'es dans l'épreuve ultime. Oubliez pas, les mecs, vous pouvez deviner le temps de Shawen en commentaire pour gagner. Vous allez savoir ce que vous avez gagné à la fin. Rien à secouer. C'est parti, ça commence. Ok, let's go. Alors, si t'as pas dormi, je vais t'en mettre une pas deux au bout d'un moment. Parce que moi je te fais pas respawn. Hein. Moi, je te donne un lit potentiellement pour toi. Tu veux pas respawn? Je m'en fous. Honnêtement, je m'en fous. Bah oui, bah du coup, t'as intérêt. Parce que là. Oh là 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 là, arrête! Voilà. Non, mais arrête! Voilà, il a la haine et moi, j'ai même pas triché, les mecs. Hein. C'est pas comme Lined qui a triché au dernier truc d'avant. Non! J'aurais dû te laisser mourir. Non, mais au bout d'un moment, tu me le dis, en fait, un tricheur. Je te jure, pour moi, c'est de la triche, ça. C'est pas de la triche. Allez, tu te dépêches là, parce que là, ça fait une heure que j'attends, là. Le chrono, il tourne. Ça fait une heure, tu vas pas filer de l'eau, tu vas filer de la lave. Non, c'est de l'eau, c'est juste que toi qui a pas compris. Alors là, par contre, je ne peux pas me déplacer, Lined. Ah bah, il faut peut-être réfléchir, hein. Peut-être qu'il y a des trucs utiles. Ah, je t'ai quand même aidé là. Hein. Tu sais quoi, je vais être gentil. Hop là, je te mets un machin. Allez, vas-y, tu sais quoi, vu que moi j'ai fait un bon temps, je suis un peu hypé. T'as le droit. Après, si t'es nul, j'y peux rien. Hein. Non, mais tu me le dis direct. Hein. Non, mais tu me le dis direct, tu veux juste me harceler. Moi, j'harcèle pas ces gens qui m'harcèlent. Non, t'es juste nul. Mais t'es moi directement où là? Non, bah oui, bah non. Frère, tu crois qu'on est où là? Ah non. Wesh! Attends, si j'y arrive, je te jure que là, je te châtie. Je te châtie comme chata. Attends, j'ai pas essayé. Il a essayé, frère, il va poser des blocs. T'es masse, guignolo, là. Ouais, fais attention. Voilà. Hein. Ah oui, t'as même pas réfléchi. Alors, c'est quoi ce bordel? Twerker, c'est la vie. Ok, donc il faut se sneak quelque part, très bien. Ouais, il faut se sneak. Trouve le bouton à mettre ici. Ok, d'accord. Alors, c'est simple. S'il faut trouver un bouton, il faut se mettre dans des endroits un peu comme Yakali. Oh! Oh! Qu'est-ce que tu as trouvé? Au sol, te cache un bloc chelou. Ah, j'en étais sûr que t'allais faire ça, sauf que malheureusement, il faut pas faire ça. C'est pas ici, voilà. Rien à voir avec ici, tu peux te barrer. Au sol se gâche un. Ouais, se cache un bloc chelou. Et oublie pas, sur ce bloc chelou, il va falloir twerker. Voilà, moi je t'aide, je t'indique, je te donne des idées plutôt pas mal. Alors attends. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce en train de faire? Ça va pas, mais. Mais remets-moi des blocs invisibles. Mais non, mais t'as pas besoin des blocs invisibles, ça sert à rien. Tu vas juste tricher, petit tricheur que t'es. Mais je triche pas. En plus, tu peux rien voir, donc ça sert à rien. Moi je ferme cet endroit là. Allez, trouve un bloc. Il y a forcément un bouton. Il y a forcément un bloc bizarre. En vrai de vrai, il y a pas un bloc bizarre. Ah, t'es passé dessus, oublie pas que t'es passé dessus. Oh! Je suis tombé sur un bloc bizarre. Tu m'as fait installer un truc bizarre. En plus, c'était un pack de texture, il s'appelait caca. Donc. Oui, bah. Ah, bah. Magnifique! T'as vu que t'étais pas si bête que ça. Wesh! Stylé. Franchement, stylé. Franchement, très stylé. Très stylé. Par contre, je vais être meilleur que toi. Je le prends avec beaucoup de cœur. Voilà, et surtout, moi, ce que je prends avec beaucoup de cœur, c'est ça. Voilà.
Mais non, mais c'était pas normal. Ça. Bah quoi? Bah non. Mais quoi? Mais non, c'est ta triche. Non mais la mère, on est où? C'est quoi, moi je vais là, voilà. Pour la triche depuis tout à l'heure. Voilà, moi je me mets ici et je demande réclamation. Chiant. Non mais c'est bon, là, ça se trouve ce job là tu serais mort, donc c'est bon, tu l'as eu ta réclamation. Oui, bah c'est possible. Mais t'as pas une réclamation que t'as eu. Alors il y a une lave qui est bleue, une lave qui est truc, donc bon j'imagine que ça c'est de l'eau. Ah, fais attention. Bah non, c'est pas de l'eau. Bah oui, faut faire attention. Non mais ça c'est des petits pranks un peu nuls, tu vois. Genre un peu nul. Bah je vais t'aider, franchement, vu que t'es pas doué, que t'es la génération TikTok. Ah ouais, mais c'est toi qui es de la génération TikTok. Bah non, c'est toi. Qu'est-ce qu'il y a là? On doit se mettre sur un slime. Il y a un vrai slime, ok. Il y a plein de slime et je suis sûr que ça c'est un piège. Et comment c'est ça pour, c'est pour me niquer ça. Non. Non mais comment c'est ça quoi? Voilà. Oh là là, les JO. Oh les JO, bravo, tu as gagné ça. Quoi? Bah oui, c'est pas là. Bah ça rien de tout lire, arrête de faire le qui sait lire. Attends, donc rien MDR. Bah oui, y'a rien ici, on s'en fout. Oh non, le chien. Bah, oh, tu savais que j'allais penser ça. Ah, bah, tu sais que j'allais penser ce que j'allais penser que j'avais pas pensé. Bah c'est la logique, à pur et dur. Ah ouais, t'es pas doué toi. Sur le bouton là. T'as foutu. Après tu vas sur le slime, tu rebondis comme Kylian. Mais qu'est-ce que tu fais? Non mais ça va pas la tête. On peut pas. T'es pas doué ou quoi là? Mais qu'est-ce que tu fais? Non mais t'es un B. Oh là là, non mais quel gourmandin. En bref, allez, trouve le bon endroit en étant ici. Voilà, c'est ici. Tu dois trouver le bon endroit. Ça se voit quand même. Arrête de faire l'ignare. Et alors là, ah, attends. Tu fais l'ignorant là. Bah, réfléchis. Bah non mais là il y a deux blocs qui sont différents des autres. Donc, pourquoi différents? Toi tu vois de pas mes luches. Ils ont pas la même couleur. Bah non, je vois de pas mes luches, non. Attends mais y a vraiment rien. Y a vraiment rien. C'est bizarre, la porte est toute seule. Mais ils ont la même couleur que tout. Pourquoi celui-là il a la même couleur? C'est pas cohérent. Parce qu'on est en France, tout le monde est pareil. Oh là là, oui, là c'est rang des épreuves dignes du bah, c'est chapeauté. What? Tu me fais peur. Arrête. Plus vite. Voilà. Wesh. Enfin attention. Inutile. Bah oui, ça. Inutile. Ton daron il est inutile. Bah oui, bah il peut rien. Et il peut rien le smicker. Bon. Bah il peut au smic. Il a eu sa prime 50 balles après 6 ans. Attends, j'entends un truc. Ah, l'heure de vérité les mecs. Est-ce que votre commentaire va avoir bon? Allez, c'est maintenant ou jamais. Voilà, j'en étais sûr. Il est trop nul. J'en étais sûr. Non mais j'en étais sûr les mecs. Tu sais le faire toi? Bah oui. Tu sais le faire, vas-y. Bah oui. Attends, ça a bugué là. Voilà, et moi je suis un chad. Oh, comme par hasard, faut se mettre de dos. Dès que je te montre. Allume le portail. Bah quoi? Allume le portail, c'est quoi? Bah allume le portail. Bah comment tu allumes le portail? Bah y'a un truc là. Y'a du gravier, non? Pour se crafter des trucs, non? Sois pas ignare et sois pas bête. Bah tu sandes, oui, c'est écrit sand, Lined, on a déjà frappé de ma gueule, mais bon. Bah y'a peut-être du gravier parmi les cendres. Gravier, voilà, ça c'est du gravier ça. Bah voilà. Ah bah je sais lire, voilà. Si c'était une épreuve pour vérifier si je savais lire, voilà. En tout cas, et le fer tourne. C'est que les petits. Bah non mais par exemple là y a du bois là. Non mais tu fous ma gueule là, Inès. Non mais vraiment. Bah quoi, faut allumer le portail ou non? Il faut bosser. C'est de la survie, on est chez Matox. Quoi, je suis gentil, tiens, t'as le droit d'avoir ça. Comme ça t'as même pas besoin de... Je dois même pas dû te donner une table de craft, ça sert à rien. Quoi? Oh. Oh là là. Oh, fais attention, merde. Wesh, hein. Je te mets dans un truc. Ah bah non mais c'est ça, ok. Oui bah. Après t'aurais peut-être pu voir ce qui se passe. Bah c'est peut-être pas ici hein. T'as vu quoi, attends, mon Joe? Mais faut passer par où? Bah réfléchis, franchement. Chaque bloc a son importance et son utilité hein. Faut pas être bête dans la vie hein. Oui mais d'accord, mais c'est quoi la signification de ce que t'es en train de me dire là? Je comprends rien. Bah chaque bloc a son utilité. Y a peut-être des coffres qui n'ont de base rien à foutre à l'éviter par exemple, tu vois. Je sais pas, peut-être une question que je te pose hein. Je sais pas, peut-être te mettre en double F5 et essayer d'observer, non? Ah non mais ça va, je te dérange toi hein. Qu'est-ce que tu vois de beau là? Alors 984 60 moins 378. C'est chiant hein. Oh c'est chiant. Bah c'est peut-être là-bas qu'il faut aller là. Arrête de faire l'idiot du village. Mais je rappelle plus des coordonnées. Bah, attends, je vais te les dire. Moins 984, moins 378. Allez, n'aie pas peur des blais là. Voilà, dégage. J'espère que t'as noté, hein. C'est dans les moins 948. Moins 948? Non, 88. Enfin, je crois. Ah, voilà, le Golemont. C'est vers là. 78 en plus. C'est vers là, je crois. Oh non. C'est peut-être là, non? Oh le chien. Oh le chien depuis le départ. Et boum, ça s'arrête! J'aurais pu le trouver depuis 10 ans! Ok, les mecs, Shawen a fait exactement le score de 9 minutes 17. Et pour toutes les personnes qui ont trouvé ce score là, il y a quelques minutes, vous n'allez absolument rien gagner, bande de tricheurs. Parce que je suis sûr et certain que vous avez été à la fin de la vidéo et vous avez mis votre commentaire. On fait quoi envers les tricheurs Shawen qui trichent dans les jeux concours? Bah, ils méritent de finir comme toi. Et bah, vous allez finir riche, malheureusement.